Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui est très inquiétant. C'est très inquiétant puisqu'on va parler d'un studio. D'un studio qui se permet de démanteler des équipes. Une en particulier. Pourquoi je dis ça? Parce que cette équipe avait créé un bon jeu. Je vais parler bien sûr de celui-ci. Oui, vous avez reconnu, c'est Prince of Persia: The Lost Crown. Donc, vous vous en doutez de qui on va parler? On va parler d'Ubisoft. Parce que oui, ils ont démantelé l'équipe qui a créé Prince of Persia: The Lost Crown. Ouais, c'est très grave, les amis. C'est très, très. Même plus que grave, parce que bah, les salariés, etc., vous allez voir, ils sont. Ouais, ils sont. Je vais vous lire tout ça. Ouais, de toute façon. On est parti. En début d'année, Ubisoft de Montpellier a créé la surprise avec Prince of Persia: The Lost Crown. Un Metroidvania particulièrement bien accueilli par la presse et les joueurs, mais ne s'étant malheureusement pas vendu comme Ubisoft l'aurait espéré. Ainsi, on apprend aujourd'hui que l'équipe derrière le projet aurait été complètement démantelée pour réaffecter le personnel à d'autres projets. Dans la marginale JV d'Origami du 22 octobre, le journaliste Gotoz a fait de nombreuses révélations quant au statut de l'équipe de développement derrière Prince of Persia: The Lost Crown. Il a en effet affirmé que sa dissolution aurait été entièrement achevée. Vous imaginez? Mettez-vous à la place des salariés, les amis. Surtout que The Lost Crown était un bon jeu. C'est. Ah, tu crées une équipe pour faire un jeu Prince of Persia. Le jeu est bon, et derrière tu démantèles. Faut m'expliquer le problème, là. Faut m'expliquer le problème. Je cite. Ces derniers jours, chez Ubisoft Montpellier, on transbahute des cartons d'un étage à l'autre. Et c'est toujours un symbole parce que c'est celui de la dissolution non annoncée au public. Le pire, c'est qu'ils n'ont annoncé aux personnes. À personne. Non annoncé au public. Moi, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle. Et d'ailleurs, personne n'en a parlé encore aujourd'hui. C'est très bizarre. Mais je pense que ça va arriver. Mais achevé de la team Prince of Persia: The Lost Crown. C'est un véritable crève-cœur pour les salariés concernés, puisque d'après les témoignages que Gotoz a pu recueillir, cette équipe représentait un symbole d'une forme de renouveau potentiel. Bah oui. D'autres manières de faire. Non, mais un truc qu'on fait bien, hop. Voilà, t'as fait ton jeu, basta. Voilà. Merde, de toute façon. Cependant, en toute transparence, Ubisoft aurait très rapidement pris la décision de démanteler l'équipe seulement quelques semaines après la sortie du jeu. Il faut se dire qu'en interne, la messe était dite quelques semaines après la sortie du jeu. En début d'année, c'était clair. Au printemps, en fait, quelques patchs et un DLC. Et on remballe. Vous imaginez cette phrase? Cette phrase, comment elle doit être. Je sais pas. Elle doit être odieuse envers les salariés, c'est que quelques patchs, un DLC et on remballe. Alors tu sais que tu crées un jeu. Tu sais que tu crées un jeu et tu sais que dès que tu l'as fini, en fait, voilà, l'aventure est terminée. En gros, c'est ça. Sans surprise, la dissolution de l'équipe serait la conséquence d'un démarrage considéré comme en dessous des attentes. Une autre justification a cependant de quoi étonner. En effet, Gotoz aurait été informé par plusieurs sources qu'Ubisoft serait réticent à l'idée d'une suite par peur de cannibaliser les ventes long terme de celui-ci. Donc, si vous voulez avoir une suite de The Lost Crown, c'est mort. C'est mort, les amis. On ne l'aura pas. Ou quelque autre jeu qui puisse émerger de cette équipe. Ouais, c'est cuit, malheureusement. Certains membres de l'équipe de développement auraient rapporté qu'il s'agissait de la meilleure prod de leur carrière. Tu m'étonnes. Bien qu'elle n'aurait pas été exempte de problèmes.
La production des produits sans n'a été pas exempte de problèmes, bien sûr, loin de là. Par exemple, il y a eu du crunch sur The Lost Crown, mais on parlerait d'une prod avec un esprit collectif très fort et très différent de la manière dont on fabrique les jeux chez Ubisoft actuellement. Et ça aurait fait du bien. Ça aurait fait du bien. Mais non, mais Ubisoft enfonce le clou encore en faisant ça. Franchement, c'est n'importe quoi. 80 à 100%. À 100 personnes, pardon, en pleine charge de développement, pas plus, ce qui est une paille en comparaison des gros projets Ubisoft classiques. Outre le fait de produire un jeu de qualité dans des conditions différentes de celles d'un plus gros titre d'Ubisoft, celle de Prince of Persia, The Lost Crown aurait aussi permis à des développeurs de se remettre en scène, de redonner du sens aux choses, et de se rappeler qu'un projet peut non seulement avancer, mais qu'un jeu Ubi, ça se peut se prendre, prétendre, pardon, à un métascore de Zaza au lancement. Vous imaginez le truc? Alors je suis désolé, faut que je me bouche. Coupez. Vous imaginez reprise. Vous imaginez le truc? Franchement. Alors, ils disent en plus de ça, un truc à savoir, c'est que la team Prince of Persia, elle avait plusieurs fois permis à des gens complètement cramés par trop de temps passé sans Beyond Good and Evil de changer de projet, de se remettre en selle, de redonner du sens aux choses et de se rappeler qu'un projet peut non seulement avancer mais qu'un jeu Ubi, ça peut attendre un Metascore de Zaza au lancement. Quelque part, ça a permis aussi à des personnes de se réinsérer après des moments de grand doute dans leur métier. Bah oui. Faut pas l'oublier ça. Ça a permis à des personnes de se réinsérer après des moments de grand doute dans leur métier. Et on démontait encore des choses comme ça. Non mais. Là, je suis choqué. Hein. Je suis choqué. Franchement, on souhaite les meilleurs ans à ses salariés, bien évidemment. Hein. Il en va de soi, parce que quand on crée un grand jeu comme ça, franchement, on peut leur dire que merci. Et on peut leur dire que merci. Et j'espère que ça va très bien se passer pour eux pour la suite. Voilà. Bien sûr, ce démantèlement affecterait moralement tous les salariés concernés. Et il y a de quoi comprendre. Plusieurs de mes interlocuteurs et interlocutrices m'ont parlé de difficultés morales. De voir vraiment s'évaporer une telle synergie de groupe et ses savoirs aussi qui auraient pu sortir des trucs cool dans les timings beaucoup plus intéressants pour Ruby. Et puis aussi quelque chose de sain pour le mental. Bah oui, cette phrase, elle est. Franchement, cette phrase, elle touche parce que. C'est vrai? Certes, tu crées une petite équipe, ils se soutiennent l'un et l'autre, et moralement, bah, ça va beaucoup mieux. Mais je comprends pas Ubisoft, je comprends pas. Enfin, plusieurs sources auraient confié à Gotos qu'elle aurait eu cette sensation de payer plein pot des décisions auxquelles il et elle n'ont pas participé. Ce qui revient à chaque fois dans cette sensation de payer plein pot, dans leur qualité de vie, dans leur rapport au travail, dans leur capacité à créer des décisions auxquelles. Et elles n'ont pas participé. Le prix au lancement de Prince of Persia, l'intégration Ubisoft Connect, son contrat qui forçait une Epic Game Store jusqu'au mois d'août et qui peut être aussi lecteur de la courbe commerciale d'un Metroidvania comme il s'agissait de celle d'un blockbuster. Bien évidemment. Bien évidemment. Si vous n'avez pas encore joué à The Lost Crown Prince of Persia, nous ne pouvons que vous conseiller de vous lancer dans l'aventure. Et je vous le conseille aussi. Si vous n'avez pas encore fait ce jeu, faites-le. Faites-le, les amis. C'est une pépite, ce jeu. Ce jeu est une pépite. Ouais, moi je dis le terme. J'y ai joué. J'y ai joué en début d'année. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Est disponible à petit prix. Le titre est jouable sur Xbox One, Xbox Series X et S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC et Amazon Luna. La prochaine Prince of Persia ne sera cependant pas à donner puisque Prince of Persia, les sables du temps, est toujours prévu pour 2026. Hein?
à savoir si ça va encore être encore vrai, parce que ça, je vous rappelle, ça fait plusieurs fois qu'ils repoussent ce jeu, donc voilà, 2026, à voir, et que l'excellence de Rock Point encore en accès anticipé sur Steam vient tout juste d'accueillir une autre mise à jour majeure. Ouais. Je n'ai pas de mots là-dessus. Franchement, je suis dans le dégoût. Je suis totalement outré par cette action d'Ubisoft. Voilà. C'est pour ces pauvres salariés qui, voilà, du jour au lendemain, se retrouvent chez on ne sait où et qu'ils ont malheureusement créé un bon jeu. Enfin, malheureusement, heureusement, pardon, qu'ils ont créé un bon jeu et que bah, cette équipe-là partait en fumée. Partait en fumée par Ubisoft. Après, on dit que Bill, c'est cela, on part tout en deux. Bah oui, bah y a de quoi, franchement. Il y a de quoi parler d'eux. Quand tu fais une chose immonde comme celle-ci, d'autant plus que cette équipe, certes, même si le jeu ne s'est pas vendu autrement comme ils voulaient, ils auraient pu partir sur une autre licence, telle que Rayman, développer le Splinter Cell Remake, etc. Et là, ça aurait peut-être pu cartonner. Pourquoi ne pas donner cette chance à ces équipes-là, justement, qu'ils arrivent à créer des jeux? Sans problème d'ailleurs. Bah, va falloir m'expliquer ça. Va falloir m'expliquer ça parce que je comprends pas. Je ne comprends pas cette réaction. Je ne comprends pas. Voilà. Alors maintenant, faut créer des mauvais jeux pour être, pour rester dans le développement. Ça me rappelle pas certains jeux, ça. Hi-Fi Rush, Tango Gameworks, ils avaient créé que des bons jeux. Et hop. Alors d'après moi, il faut créer des mauvais jeux. Et là, tu restes dans le giron. Tu crées des bons jeux. Les ventes ne sont pas espérées comme eux l'avaient espéré, et ben tu dégages. En gros, c'est ça. Alors, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on verra encore des bons jeux? Ça, j'en suis pas sûr. Ah, si j'en sais ça, c'est comme on dit à une façon de parler, voilà. Mais bon, j'ai pas de mots, franchement, je suis désolé pour cette vidéo, mais j'ai pas de mots. Je suis choqué. Je suis tout simplement choqué. Voilà, je vais terminer là-dessus, avant de dire des bêtises. Voilà, et de dire n'importe quoi, mais force à ces salariés. Et merci à eux de nous avoir créé Prince of Persia The Lost Crown. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Allez, j'espère que cette vidéo, malheureusement, vous a plu quand même. Mais on est tous derrière vous et voilà. Bon, bah, je vais quitter comme ça la vidéo. Je vais pas dire ne vous abonnez pas, ne pas vous abonner, etc. Je suis tellement choqué par ces décisions que voilà. Donc, on se retrouve très bientôt, les amis. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.